le chef du village de Nabanka, dans le département de Fékéssédougou, région de Tchologo. Ce bouc règne depuis plus de 15 ans dans ce village qui abrite plus de 100 âmes. Le bouc qu'on a gardé, c'est lui le chef du village. Nous on le considérons comme un homme. C'est un grand pour nous-mêmes dans le village. Si demain n'est pas là, il faut chercher un autre. Il y a ses enfants. On peut mettre un et puis lui va partir. Selon ses notables, cet animal veille sur les populations. Il est le garant de la tradition. Ce bouc-là, quand les jeunes viennent la nuit et montent, c'est ça. C'est ça qu'est le chef du village. Si on n'a pas gardé ça, on n'est pas tranquille. Parce que si ce boucle est là, le monde va avoir tranquille. C'est pour ça qu'on l'a gardé. Mais si on n'a pas mis ce boucle là, les jeunes vont nous fatiguer. Mais il promène lui seul dans le village. Mais il vient coucher, même il peut venir s'asseoir ici là. Il veut venir coucher ici. Mais tu ne peux pas parler avec lui, tu ne le frappes pas. Il est là toujours. Pour les fils de Nabanka, c'est une fierté d'avoir cet animal comme chef. Une forme de chefferie qu'ils souhaitent voir dans toutes les contrées du pays. C'est un honneur pour nous, un grand plaisir pour nous. Il est le chef de nos villages. Ouais, on le doit du respect. En tout cas, si c'est le respect, on lui doit du respect. Les étrangers sont arrivés, ils étaient derrière ce bouc. Tout le monde est en train de le filmer. Ils sont allés se regrouper derrière ce bouc. Donc vraiment, nous, on était fiers de notre village. Quand nous on le voit, on est content, on espère qu'il n'y a pas de soucis. Il veille sur nous. Quand les gens viennent chez nous, là, nous on le montre, ah, voici nos chefs de village. Nous, on est fiers. C'est normal, c'est un bon symbole pour nous. Ces initiés, sortis fraîchement du bois sacré, disent être honorés de confier leur destinée à un tel chef, qui mérite, selon eux, respect et soumission. Ça nous fait plaisir de le voir parce qu'il reflète un peu la réalité du village. Et puis bon, vu les temps passés, il y a nos grands-pères qui sont passés, nos arrière-grands-pères qui sont passés, il était présent. Et à notre temps encore, il est toujours présent. Donc, il nous fait commémorer à leur mémoire. En attendant de faire de Nabanka une destination prisée, les fils de ce village se réjouissent d'avoir cet animal comme leader. Le chef, quant à lui, prend un peu de repos après avoir sillonné tout le village pour s'enquérir des nouvelles de ses sujets.